témoin d'une autre belle rencontre, celle de Julie Bélanger et son parrain, monsieur respectable lui-même, Sébastien Plante. Hello, darling! Hello! Sébastien, quand j'habitais à Québec, j'allais le voir souvent dans les bars et il chantait là, puis je trouvais tellement qu'il y avait une énergie puis de la drive. Je suis bien flatté qu'elle m'ait choisi pour faire ce genre de perfo-là. Ça nous prenait une énergie plus masculine pour m'accompagner, donc Sébastien, c'était celui qui s'imposait. Je sais que c'est du rock. Ouais, c'est ça. Ben, ah, je suis pas mal dans ton élément. Je trouve qu'elle a choisi une très bonne chanson, une chanson qui lui va très bien, qui lui colle à la peau. Écoute, on en a essayé plusieurs en répétition, puis c'est celle-là qui venait plus me chercher. Let's do it. Ça paraît que cette chanson-là lui parle. Je trouve qu'elle a un côté rock, mais elle a un côté le fun aussi. Il y a quelque chose de pas prétentieux là-dedans. Il y a quelque chose de juste pour le plaisir. Peut-être, en général, peut-être mettre juste un petit peu plus de mordant. Ça pourrait être cool. Oui, puis là, je le jouais pas non plus. Il faudrait que non, je joue un c'est peu. C'est ça. Non, mais c'est déjà, je te donne 80%+. Ah, oh, quand déjà. Même! Oh, merci. Oui. Je ne sais pas, 80%, ça passe, tu sais. C'est mieux que 60. Il faut que je souris, puis il faut que j'aille... D'après moi, on va être capable d'aller chercher le 20 points manquants. N'oublie pas tout le temps poussé, bien sûrement qu'il est là. Oui, je sais, c'est ventre. Là, c'est ça. C'est dans le ventre et non dans, le, dans la gorge ou les poumons. C'est vraiment du ventre que ça part. Tu vois, c'est aujourd'hui que j'ai appris le truc du ventre. Quand tu pars un petit peu plus tôt, de récupérer comme il faut dans tes côtes, de retourner en bas. Okay. Parce que le danger, c'est de t'en aller là. Là, tu vas... Là, je suis plus capable de l'atteindre. C'est ça, tu vas craquer. Le bout de où elle pousse la note, là... Vivant! Vivant! Ça me fait peur parce que c'est très haut. Vivante! J'étais-tu dans la tête, là, ou j'étais... Non, t'étais correct. J'étais correct? Ouais. OK. En tout cas, je sais pas encore comment je vais faire. Moi, là, vraiment, l'heure de gloire pour moi, là, c'est la réalisation d'un rêve de petite fille qui chantait dans sa chambre quand elle était petite avec sa brosse puis qui faisait semblant d'être une chanteuse puis qui faisait des vidéoclips puis des chorégraphies. C'est super cool, là, regarde, ça va super bien. C'est vraiment pas stressant. Fait que là, il reste juste à gagner. Je vais avoir une pensée pour mon père, entre autres, qui est musicien. Puis je sais qu'il triperait donc d'être sur une scène comme ça, tu sais. Puis je vais prier le petit Jésus de venir me sauver. On est habitué de la voir le matin avec une autre fille, mais ce soir, elle est entourée de musiciens, de choristes, de danseurs. En ce soir de trompette, elle a choisi de nous interpréter une chanson popularisée par France d'amour, parrainée par Sébastien Plante. Vivante, Julie Bélanger! J'ai chanté dans la... Chansons qui provoquent, chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin. L'hôtel à 10 dollars avec des murs en carton. Je me déche les bouteilles sur une lampe de salon. Vivre dans mes bagages ou sur la serre. Coincé par le chantage d'un patron. Y'avait rien pour m'empêcher de
Julie Bélanger, parrainée par Sébastien Plard. Venez me rejoindre. Oh my God! Hey, c'était hop, ma fille! C'est donc bien énervant! Ben, ça... Hey, puis je me trouvais tellement bonne parce que tout le long de l'émission, j'étais comme, ah, pas de problème, pas de stress, ça va très, très bien. Mais là, là, quand ça a commencé, c'était énervant. Hey, mais rock'n'roll dans le sang, hein? Je te dis, wow! Très rock'n'roll. C'était... Hein? L'énergie, le spirit du rock'n'roll était là. C'était... C'est exactement l'attitude qu'elle devait avoir. Puis elle chante bien, elle fausse pas. Regarde, non, mais Ali, c'est à partir de là, c'est une question d'interprétation. C'était vraiment, vraiment réussi. C'est deux rockers le matin, maintenant. Oui, deux rockers le matin, c'est bon, ça. D'ailleurs, tu travailles avec Sonia à une autre station, bien sûr. Ben oui. Oui, une fois par semaine, avec on a du plaisir. Vraiment, on a du fun. Non, aujourd'hui, on est vendredi. Je vous regardais, c'était ce matin que tu passais. C'est vrai, bref, des fois, ça arrive qu'on triche, mais pas souvent, vraiment pas. Bon, OK. Dis-moi, tu viens d'une famille de musiciens. Oui. Hey, Port-Cartier nous regarde. Oui. Hey, on dit bonjour à tout le monde. Bonjour, Port-Cartier. Ton père, il paraît qu'il est musicien. Oui, mon père est musicien, il joue la guitare. Ah, il joue la guitare. Oui, et mon frère est drummer, donc j'ai grandi là-dedans. Ton frère a un groupe à Québec. Oui. Ah, sais-tu? Puis ça s'appelle comment? Colin, il y en a tellement, je m'en rappelle plus. Il y en a tellement? Oui, il y a plein de groupes. Ah, il change de groupe comme ça souvent? Oui, oui, pour change pas de blonde. Il est plus stédé côté blonde. Hey, Julie Bélanger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, merci aux musiciens. C'est un trip vraiment incroyable. Ah, t'as été merveilleuse. Merci beaucoup à toi, hein, Sébastien. Alors à vous, il faut travailler à la maison. Je sais qu'il neige dehors, raison de plus d'être à la maison. Vous savez que mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Alors votez tout de suite et évaluez la performance, la belle performance que vient de nous offrir Julie Bélanger. Faites le www.radiocanada.ca/gloire à découvrir tout de suite après la pause. Thomas Hellman, restez avec nous. Géologie.